La soirée des révélations. Samedi 6 janvier, Camille Lelouch était invitée sur le plateau de la Star Academy. Avec Lenny, puis en improvisation avec Elena, l'humoriste de 37 ans a interprété son titre « Ne me jugez pas ». Et, après sa performance, la chanteuse a livré une surprenante anecdote à Nikos Aliagas, présentateur emblématique du programme. Et pour cause, celle qui a remporté la deuxième saison de LOL, Kiri, sort. Avec Gérard Darmon a confié avoir participé au casting de la Star Academy il y a près de 20 ans. J'ai fait les castings, il y a très longtemps, sur la première ou la deuxième saison, je ne sais plus, a d'abord lancé l'ancienne candidate de la 13e saison de The Voice, sous la houlette de Zazie. Si elle a passé quelques épreuves, elle n'a pourtant pas réussi à poursuivre jusqu'une finale du casting. À cause de la danse. Comme j'étais nul en danse, j'avais les genoux en feu, je ne savais pas danser, c'était un enfer, a-t-elle confié. Avant de poursuivre, Kamel, Wally, célèbre coach de danse, il n'a rien dit, il s'est dit, ça, si est next. Face à cet échec, la passionnée de chant ne cesse pas démoralisée. Quelques années plus tard, si est au casting de la nouvelle star que la jeune femme cesse présenter. Malheureusement, sa performance n'avait, à l'époque, pas su convaincre Marianne James ni André Manoukian. J'étais frustrée et triste si elle évoque ses souvenirs avec le sourire, la comédienne a eu beaucoup de mal à essuyer ses échecs. En témoignent ses confidences faites dans Elle, parue la première semaine de janvier, ces années, je les ai très mal vécues. Ce qui est difficile, si est de sentir qu'on n'a pas la reconnaissance d'un métier qui nous semble pourtant être le nôtre. Et de comparer, un chirurgien, après 11 ans d'études, peut exercer. Pour un artiste, ça peut prendre 20 ou 30 ans. Si est-il très troublant de se dire qu'on doit toujours se battre, surtout lorsqu'on a 20 ans de piano classique et de chant derrière soi. J'étais frustré et triste. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran TF1. I just need some